Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, avec l'Ethiopie toujours. On avançait tranquillement notre défi, et on s'était arrêté, on avait une doctrine à prendre, on n'était pas en guerre, et on perdait du blé, donc on va regarder un peu tout ça. On avait des emprunts, des trucs à légitimer, mais je pense que c'est des provinces qu'on va pas légitimer. Alors, on va commencer par la doctrine. Il y a eu des débats dans les commentaires, mais globalement, on est assez tous d'accord pour s'orienter vers la doctrine de qualité, histoire d'être tranquille pour la fin de partie dans les différentes guerres qui pourraient venir. Les doctrines commerciales seraient pas inintéressantes, mais bon, il est un peu tard pour les prendre, quoi. On va sûrement continuer de s'enrichir à coup de tatane. On va donc prendre la doctrine de qualité. Et si je ne m'abuse, on est à 120% là, on va donc pouvoir prendre directement... combativité de l'infanterie plus 10%, parfait. Alors ensuite, ici on est en train de bouger, on allait où? On allait là, d'accord. La trêve avec l'Ottoman était déjà finie? Non. Ah, la trêve avec l'Ottoman était déjà finie, d'accord. On se préparait à attaquer l'Ottoman, très très bien, j'avais oublié déjà. Pardon. ici on a une petite flotte ottomane qu'on pourrait se faire, très très vite fait. Là on était en train de financer l'armée, non, on était encore en train de s'entraîner le temps que nos troupes se placent, faut croire. Ah oui, il y avait eux qui étaient en train de revenir, d'accord, ok, on avait la pause. Alors on a des troupes en exil, oui, on avait, comme vous me l'avez signalé, on a 1000 péons de Mombasa ici qui étaient paumés là. On va ramener. Hop, je les envoyais où eux? Là-bas, et eh ben écoutez, allez là-bas, voilà. Donc le Rwanda a totalement disparu, ça y est, au profit des Bunyoros. Les Tunisiens râlent un peu, mais ça devrait changer assez vite. Les hospitaliers continuent de nous raser la tronche. Ah, et on a le commerce de l'ivoire, en plus 2 de réputation diplomatique, ça c'est très très bon pour gérer nos vassaux. Ça nous donne combien de réputation du coup? Ouais, si on l'a toujours, une fois qu'on a terminé à annexer une dépendance, ça pourrait être cool. Hein. Alors là, du coup, si on attaquait, ça se passait comment? Tout le monde venait, en face, il a que de la merde. Donc pas de problème particulier. Ah. Ça tombe un petit peu vis-à-vis des clercs. Ici, on va aller par là-bas directement, et à la place... on va commencer à arrêter l'entraînement. Garantie indépendance de Ragus, alliée à n'importe quoi. Au niveau des conversions, on avait un mec de disponible, mais on va se calmer un petit peu. Parce que nos sous bagotent un peu, on va dire. Alors ça c'était quoi ces bateaux? Des vaisseaux lourds et des bateaux de transport, d'accord. Ah oui, ça doit être ceux que j'ai récupérés de Mombasa. Bien, et ben je crois qu'il va être l'heure. Hein. On est tech 22, ils sont tech 22. Qu'est-ce qu'on a comme casus belli? On peut prendre Constantinople. Ça c'est un beau casus belli. Ça. Et bon, on va le faire, on va prendre Constantinople. On appelle bien sûr nos amis dans la bataille. Et c'est parti. Alors, on va comme d'hab se le faire... en commençant par éliminer tout ce qui pourrait nous tomber dessus dans le dos. Donc ici, bataille, vous y allez. Ici on va tracer jusque là. Vous du coup, vous allez servir à prendre les petits bouts. Non, ça c'est de la merde. On va aller par là. Par là. Le mec tout seul, il va aller par ici. Allez, c'est parti. On y va en douceur, hein. on n'est pas en stress. On surveille un peu ce qui se passe. Donc ici, on va écraser ces mecs. Voilà, et maintenant, on va aller retourner se planquer avant qu'il nous envoie une grosse flotte. Et c'est parti pour une nouvelle guerre contre les Ottomans avec notre
sympathique petit bonus de comment de combativité de l'infanterie. Je sais pas si on peut le voir d'ailleurs quelque part ça. Peut-être plutôt là. Morale terrestre, ouais pas vraiment. Ici, tactique, discipline, défense, ratio, largeur de front, le siège. Le moral naval, la limite terrestre, le moral terrestre, la tradition terrestre. Ok, on n'a pas vraiment d'endroit où on peut voir la combativité, on doit sûrement pouvoir le voir dans le registre. On n'a pas beaucoup de troupes hein, par rapport à ce qu'on pourrait avoir, mais ouh, ici on a déjà une grosse armée là, on peut pas les choper ces mecs. Oh, on a un moral. Ah non, ils sont. Ils sont protégés par le fort malheureusement. C'est bien dommage parce que là, les 40k avec 0 morale, ça aurait été extrêmement intéressant. Ok, d'accord, ils nous font chier demi-tour. Visiblement, ils étaient en train de s'entraîner un peu partout. Hein. Ouais, non, c'est de la merde. Ah, on a perdu un général. Il est mort en traversant Zufra à la tête de son armée. C'est celui qui est là. Ah, bordel. Ok, on a plus que deux généraux. C'est un petit peu short. Est-ce qu'il pourrait nous en lâcher un? Oui. Ok. Je prends un général et le truc accordé à un général s'arrête. C'est assez particulier. Ok, très bien. Bon, c'est pas grave. Donc, non, vous allez pas faire ça. Demi-tour, vous restez dans le coin. On ira poursuivre cela quand les forces seront tombées, ce qui devrait pas prendre des plombes. Ici, on est coincé. Donc, visiblement, ils y vont en force par là. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on recule un peu nos armées, là. On va reculer tout ça. Hop, parce que... Là on sait qu'on va pouvoir coincer un paquet de monde. Alors, ils sont même de la discorde en notre sein, ok, pourquoi pas. Faut que les forts tombent, hein. Il n'y a pas photo. Donc ici ça va se dessiéger grâce aux forts, c'est pas la peine de s'emmerder. On va remonter par là-bas et on va faire jonction du coup avec ceux-là, à Yabrin. Ok, le siège d'Elkarak est tombé, on peut toujours pas avancer à cause de ce fort là, mais au moins on peut se répandre un peu. Donc cette fois l'Ottoman a décidé de s'occuper de nous en premier, d'accord. Donc là son armée de 40k finalement va par là. Très très bien. Ici il se fout un peu de ma gueule par contre, on va aller s'occuper de ses bateaux. D'accord, donc du coup, bah, s'il laisse tomber l'idée, hein, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des gens. Voilà, il y a Bryn, et puis toi tu vas aller à Ouf. Du coup, ici on grimpe. Voilà, la bataille navale c'est fait. On renvoie les bateaux. Tranquillement se poser, on peut prendre une nouvelle doctrine. Bon, on va la prendre tout de suite. Pas s'emmerder. Alors, ces provinces là, c'était pour de la conversion, non? Regardons un peu les édits. Oui, c'était là. C'était pas encore terminé la conversion. Ouais, ok, d'accord. C'est pour ça que ça a pété, il y avait deux conversions en cours. Très très bien. Alors, visiblement, ils sont en train de se mettre sur la. Sur la Perse, hein, très très clairement. Ici aussi il y a une petite armée. Ok, le siège de Tabouk c'est fait. Alors, regroupons-nous un petit peu. Comment on va gérer ça? Ici on peut laisser cette armée là s'occuper de ça. Attends, elle est carrément passée par l'île, c'était le plus rapide. Ok, pourquoi pas. Faut qu'on s'occupe de ce fort là et après on sera tranquille sur ce front. Eux ils sont largement suffisants pour s'occuper de ça, donc nous ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on va aller se répandre un peu par là-bas. Alors là c'est peut-être un peu ambitieux d'aller aussi loin, il y a quand même du monde. 15 000 ici, 15 000 là. Année exceptionnelle! Eh bien oui, plus 50% d'impôts, on va prendre.
Alors là c'est parti, le Qatar, vous allez là-bas. Vous allez ici par exemple. Ah, on a réussi une bataille ici. Ah, il doit y avoir un péon. Donc ce fort ne nous bloque pas. Hein. Par contre, une fois qu'on l'aura pris, il bloquera l'Ottoman. Ah, ici on va se faire 1000 mecs qui traînent. Ce sera toujours ça de pris. Faut qu'on fasse attention hein, parce qu'il peut tout à fait traverser par là-bas. Ça pourrait même être intéressant d'envoyer nos bateaux dans le coin. Plutôt. Pour qu'ils soient prêts à sortir en cas de besoin. Il y a un port là qui donne sur ce truc là, ouais, ici. Ici il suffirait qu'ils sortent et ils bloquent le détroit. Ici c'est géré. Ok, un siège qui est fait. Hop, ici c'est tombé. Ici on va par là-bas. Toi tu vas aller là-bas d'ailleurs plutôt. Ici c'est fait. Donc ce siège là c'est fait. Ça pourrait être intéressant de commencer à aller faire un tour par là-bas. Hein. Donc Constantinople est tombé et nous appartient. Donc merci, merci la République des deux nations. Très très clairement, on va envoyer. Pourquoi je peux pas aller là? Oui, je peux complètement aller là, on est d'accord. Oh, encore un général qui est mort. Il est mort d'un accident en entraînant ses troupes. Hein? Et qui c'est qui s'entraîne encore là? C'est qui est mort? Ah putain, c'est lui en plus quoi. Le mec qui était déjà sur le terrain. Bah, il va falloir qu'on en recrute un, mais on n'a pas les sous. On aura bien les sous le temps que. Le temps qu'on arrive là, j'espère. Alors, ce siège-là est tombé, c'est nickel. Donc on va laisser ceux-là là-bas. Ah oui, il y a un siège ici à faire aussi, c'est vrai. On va aller le faire en speed. Ici, on va se couper en deux. Et on va aller faire un petit blocus. On a le droit de passage ici? Ouais, on a le droit de passage ici. Toi tu ne fais rien, c'est mal. Hop. Toi tu ne fais rien, c'est mal. Vous, vous faites rien. Est-ce que vous pouvez aller jusque là? Ouais, on pourrait avancer. Hein. Après, on va plutôt aller nettoyer par ici. Ouais, encore qu'il y a les troupes ottomanes là. Hein, donc il faut qu'on envoie des renforts à notre ami perse. C'est parti les gars. Là on envoie juste une armée pour s'occuper de ça là. Voilà, on a assez de points. On va pouvoir prendre un général. Oh, pas mal, pas mal. Ça fait le taf. En plus, on est surentraîné avec cette armée. Oui, on repousse des prêts, ça c'est pas très grave. Ici, ce serait cool qu'on arrive à se les faire avant que ça soit trop dramatique. On a aussi un diplomate qui fait rien d'utile. On va l'envoyer s'amuser avec les alliés un peu. Histoire que la Perse. Là, il va falloir faire tomber ce fort avant que, de pouvoir avancer sur la Perse, malheureusement. On a perdu un siège, hein, où ça? Ah, vous êtes sérieux, il est tombé avant qu'on arrive ici? Bon, cela dit, la République des Deux Nations est en train de s'en occuper, mais... Un partage de connaissances est arrivé à son terme, on peut pas en relancer. Bon bah voilà, stack wipe de la République des Deux Nations, bah, on va faire le siège du coup, tant pis. C'est pas de chance. Vous, vous êtes un petit peu isolé. Rendez-vous par là-bas. Ou alors je renvoie du renfort par là. On va renvoyer du renfort par là parce qu'ici il y a la République des Nations qui est en force. Donc ça devrait aller je pense. Hop, on va ici, là on va là, vous, vous allez là-bas, Médine. Toi ici, ici on est bientôt arrivé pour faire le blocus. Ouah la vache! J'avais jamais vu ce... cette unité quoi. Carrément l'énorme éléphant, la cavalerie passaille, ah, c'est assez classe. Donc là on est coincé, faut que le fort tombe. Ok, on a cassé les murs, c'est parfait. Bon, en attendant, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller assiéger 2-3 conneries. Pareil ici, à Bagdad, les gars, en avant. Ok, on commence à 0% le siège, c'est nickel. Alors lui il traverse là, je sais pas ce qu'il fout.
Ok, on a réussi une conversion. Donc là, on a coincé 2000 mecs, là. Manque de pluie. C'est bien triste. Alors, ce siège-là n'est pas tombé encore. C'est où que c'est tombé? C'est pas là. C'est pas là. C'est ici qu'il y a des trucs qui tombent. Ah ou là. Toi, c'est pareil. Bon, t'es un peu tout seul, mais... Tu vas rester dans le coin en attendant. Alors, Sirm, c'est repris. Parfait. Donc ça, ça va retomber. On va aller se poser à Ankara. Et ici, c'est tombé. Pareil. Oh, la grippe, bordel. Bon, bah, la grippe, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors, ici, le monsieur a décidé de se mettre là. C'est quoi comme terrain, ça? Du marais. Ouais, bon, on va aller s'occuper de ça. Hein. On va se regrouper ici. Ici, on envoie aussi du monde. Pareil. On va se préparer avec des renforts. En avant. Donc, on arrive le 13 mars. Si j'envoie cette armée-là, elle arrive le 13 mars aussi. Ben, c'est parfait. On va aller tomber dessus... À deux fois plus nombreux, ça devrait lui apprendre la vie. Go. On a remporté ce siège là, et ben parfait. Retournez rejoindre vos potes histoire d'être un peu plus en force. Donc là, il va nous falloir du renfort. Alors ici l'armée va être gérée, il y a encore 30 000 hommes, mais ça va largement être jouable. On va renvoyer un peu des renforts en haut là. Combien il a de troupes l'ami ottoman? 117 000 hommes quand même hein. Enfin, 96 000, on est en train d'en buter 40 000, donc ça devrait bientôt diminuer. Alors, avec ce stack wipe. D'accord, il y a toujours 85 000, je ne sais pas comment il fait. Ça va peut-être pas encore compter. Voilà, donc du coup, vous, plutôt par ici. C'est parti. On va peut-être pas utiliser ces 30 000 hommes-là. On va utiliser ces 30 000 hommes pour aller... Il essaie de faire sortir la Perse, là. Donc on va aller s'occuper de lui. On a des petits péons ici qui sont là pour faire des sièges. On va les utiliser. Toi tu vas là. Et toi du coup tu vas remonter par là-haut. Ici on a des gens. Ok. Et ben... J'ai envie de dire qu'on va aller s'en occuper avec cette armée là. Et ici, on va aller frapper à la porte des Ottomans par là. Donc pour l'instant, ils perdent pas énormément de troupes à cause de l'attrition, beaucoup moins que nous. Mais faut dire que c'est nous qui envahissons, hein, donc c'est normal. Bon, faut qu'on termine cette conversion dans le coin et on pourra dégager cet état. Ça devrait nous faire un peu de bien. Ibra est bien en train d'être converti au moins. Oui. Alors là les gars, c'était peut-être pas utile de vous stacker comme ça, mais bon. On va faire comme si c'était pas grave. Allez, on avance. Ah, tous ces trucs qui tombent. Ici, on va les dessiéger un peu. Et vous, du coup, vous faites rien. Vous allez là-bas. Vous grimpez. Vous grimpez aussi par là-bas. Même si ça sera sûrement déjà pris le temps que vous arriviez. Il y a un fort ici. Il faudra qu'on le prenne. Donc la République des Nations a pris tout ça. Hein. Donc il commence à avoir envie de certains trucs. Ça ne me dérange pas. Ok, ça c'est quoi comme terrain avec un peu de bol? Non, tant pis, c'est pas un terrain très très favorable, mais c'est pas grave. On arrive le 13 juin et là, on est plus près je pense, hein, ouais, le 11 juin, donc on va attendre. Voilà. On arrivera juste à temps. Ah merde. Ça y est, l'Ottoman arrive. Qu'est-ce qu'ils foutaient là nos bateaux? Merde, ça devait être des bateaux de Mombasa que j'avais oublié là-bas. On va se ranger. Bon, encore que c'est un peu de la merde sa flotte. Hein. On a des vaisseaux lourds, on a des navires de commerce. Il a quoi? Il a 9 galères. Ah, on pourrait peut-être se les faire. Hein. Mais bon. Donc ici, on lui défonce. Oh là là, on
les défonce tellement la tronche. Oh là là, c'est la violence. Ici, c'est terminé. On enlève les dix et on enlève l'état. Hop, voilà. Je regarde pas, mais je pense que si je l'avais noté, c'est que... Enfin, si je l'avais pas légitimé tout de suite, c'est que ça devait coûter cher. Ici, on va aller un peu plus en force, parce qu'il y a quand même de quoi défoncer nos 4000 hommes à droite à gauche. Bon, avec ce méga stack wipe, il doit commencer à souffrir, ouais, voilà. On va envoyer une armée, alors peut-être une armée avec un général quand même. Elle, on va l'envoyer faire le siège. L'armée avec le général, on va l'envoyer s'occuper de ces gens. Donc pour l'instant, on se calme sur les conversions. Ouh, il y a encore 40k ici. Ouh, et 27k là, d'accord. Changement de plan, demi-tour. Vous allez vous regrouper à Yabrin pour vous occuper de ces 2000 hommes. Et ici, on va aller se refaire un petit tas. Quasiment tout ce qui reste de son armée est là en fait. Ankara est tombé, c'est parfait. Hop, en avant. Bon, je vais peut-être prendre 2-3 péons là pour gérer. On a largement les réserves hein, et ça nous servira, donc on va prendre des gens à nous. Ok, donc là ça c'est quoi ça comme terrain? La montagne non? Ouais, c'est de la montagne, donc là. Rien qu'avec cette armée là on pourrait se les faire. On va attendre peut-être la fin du mois pour avoir le renfort, mais... Enfin que nos armées soient renforcées j'entends. Voilà, et on va pouvoir largement se les taper, hein. Y a aucun problème. Alors ici, j'avais pas vu le Perse qui est sorti. Donc il se fait défoncer. En fait, si je peux, ouais, mais je peux pas prendre un amiral, j'ai combien de commandants? 3 commandants pour 5. Ah, je pourrais prendre un amiral. Avec un amiral, ça passe large. Bon, même avec un amiral pourri. Allez, on y va. Ah, quoique non, mais c'est des galères qu'il a et on a des navires lourds, il va être avantagé. C'est pas grave, on va gagner sur terre. Ça m'inquiète pas trop. Voilà, ici on le défonce. Avec le malus de terrain en plus. Bon, on l'a pas stack wipe, mais on l'a défoncé. Donc ici on va essayer de cerner ce monsieur. Oula, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il est en train d'essayer de faire demi-tour. Chopons un commandant en speed. Ok, c'est lui qui a le malus. On arrive avec nos renforts. Notez que la Perse était quand même déjà bien en train de lui faire mal. Hein. Ouh, ça pique. Conflit avec contre la cour et le pays en Saxe. Pas grave. Ça pique quand même, hein. Ok, c'est gagné, mais la Perse avait commencé à prendre un sale malus. Très bien, donc toi tu vas là, toi tu restes ici. Hop. Bon, ils vont se replier très très loin. Hein. Alors, ici c'est pris. Parfait. Ici il y a la Perse qui s'occupe d'assiéger des choses. Donc là, on est 17 000. On va aller s'occuper de ces trucs qui traînent là. Peut-être se fendre d'un commandant. Ça quand même plus propre. Ah, ça y est, ils commencent à recruter en masse. Il a encore du... De quoi se défendre hein, le petit... Ah, on a perdu un théologien. Diantre. Réduction de l'inflation, puissance des missionnaires, agitation dans le pays. Ouais mais il shit lui. C'est pas cool ça. Notre inflation elle est nulle, donc autant dire qu'on s'en fout.
On a lui qui coûte moins cher, mais bon, bah. Ah, quoique non, il est à 2, pardon. Donc non, on a personne de vraiment intéressant. On pourrait peut-être demander du coup à eux. Alors, il faudrait qu'ils aient plus d'influence. Pas vraiment. On peut faire ça pour qu'ils aient un peu plus d'influence. Ça coûtera 25% moins cher. On prend. Voilà, agitation de pays, c'est lui. Hop là. C'est parti. Ici, il faut qu'on aille s'occuper des restes. Tellement en déj de commandant, c'est un truc de fou quoi. Donc là il essaie de se replier, vague d'innovation, toutes les têtes coûtent moins 5%, bah c'est parfait. Il essaie de se replier donc on va lui fermer le chemin. On va pas s'emmerder, ils vont par où? Ils vont par là. On va choper les éléphants. Et voilà, ça c'est fait. Toc et toc. Ouais, là c'est déjà en train de se dessiéger, donc on va là à 2. Ensuite ici, on a des gens à les buter. Toi t'es qui comme commandant? Amasaillon. Donc ici, on va prendre... Hop là. Ah, il y a 31 000 hommes ici, attention. Sérieux, c'est là le plus rapide, c'est là le plus rapide pour y aller. Bah écoute, ah oui, mais ça c'est une montagne, merde, j'avais pas fait gaffe. Ah, il y a du peuple dans le coin. Faut qu'on fasse gaffe. Ah, puis le Perse il y va comme ça, d'accord. En même temps, il a pas tout à fait tort, ça passe bien. Ici on va là, là on va aller se poser ici avec une grosse armée. Ah, ici c'est tombé, nickel. Ici on fait rien d'ailleurs, on va du coup descendre par là-bas. Ici on va quand même tenter d'aller se les faire hein, parce que c'est bon quoi. Ah, visiblement ils partent du principe que... D'accord, le Perse va, et ben on y va aussi du coup. Ici va où lui? Yasuj. Yasuj c'est de la montagne. S'il veut passer après, il sera obligé de nous marcher dessus. Hein. Donc on va l'attendre. Ça serait bien qu'on ait des commandants, mais on verra ce qui est disponible le moment venu. Ok, là c'est de nouveau un stack wipe, ça fait plaisir. Et on a gagné la bataille navale, parfait. Et notre mec a gagné des points en plus. Nickel, alors je sais pas où il va aller avec ses bateaux, mais... Ok, il y a l'Ottoman qui a recruté des trucs. Pourquoi pas. Ici on n'a pas de commandant. Ah merde, ici c'est un siège, j'avais pas vu. Il était planqué derrière la petite notif de troupes là. Bon bah voilà, ça commence à être assez propre. Vous allez remonter là-haut. Passaï et compagnie, ils veulent pas se tirer, non? C'est où? Passaï. Tu veux pas une paix, hein, non? Et Timouride, on a défoncé vos armées. Ouais, en plus vous êtes assiégés. Bon, on va attendre que le Perse termine son siège du coup. Ah mais il va se replier là, il a que ça pour se replier. Je suis con. Go, retournez par ici. Même si vous êtes un petit peu endommagé. Dès qu'on va prendre ça, ils vont s'écrouler. Donc ici on refait un peu nos troupes parce que les attaquer en montagne, ça va quand même être coûteux, hein, même s'ils sont moins nombreux. Voilà, ici on les chope. Avec 0 de morale, et c'est parfait.
Ils vont se replier cette fois, je sais pas où, mais loin. Nous, on va aller se réparer. Ici, on amène des renforts. Et on y va. C'est un peu la violence, hein, mais... on est obligé, il va jamais se mettre dans un... Oh, notre itège est morte. Diantre, j'ai envie de dire. Il se replie là, parfait. On va le finir. Hop, voilà. Alors là, je pense que niveau troupe, il doit commencer à être vraiment dans le mal. Donc il a encore des petits trucs à droite à gauche. Mais rien de fifou. Donc nous, on veut Constantinople, bien sûr. Il n'y a pas, à chier. On veut aussi ça. Ça et ça. Pour pouvoir tenir cette zone. On veut le couper en deux. On veut le couper en deux. Enfin, on le coupe en trois même, réellement, si on fait ça. Au niveau des sous, t'as beaucoup de sous. Beaucoup trop de sous. Du coup, ce qu'on veut avant, c'est des réparations de guerre. Et après, on complétera avec du blé. 917, on pourrait prendre si on prend à 100%. 100% qui est tout à fait envisageable, hein. On est vraiment pas dans le mal, lui ça y est, il a plus rien je pense. Encore 69 000 hommes, hein, ok. Il a pas encore plus rien mais ça va venir doucement. Franchement, je pense que ça peut tout à fait se jouer. Ces bateaux sont dans le mal. Ici on ramène des troupes pour faire du siège, donc on va du coup aller s'occuper des forts qui restent. En avant les gars, par ici. Vous, vous allez vous placer à peu près en sécurité dans le coin, histoire d'avoir des renforts. On va plutôt envoyer toi. Ah, tu peux pas encore bouger. Ok, voilà, hop. T'as zéro de siège, cela dit, donc ça vaut pas trop le coup. Donc je pourrais optimiser mon attrition et tout, hein, en faisant... Bon là il attaque mes 1000 hommes, il va se faire défoncer parce que tout le monde se repointe. Hop, voilà. Je pourrais optimiser mon attrition, disais-je, en mettant que ce qu'il faut pour faire les sièges sur les forts, etc. Mais je trouve que c'est pas fun. Oh merde, le Négusa est malade. Les bourgeois gagnent en loyauté, ou alors les nobles. Ouais, les bourgeois, ouais. Pas leur taxer un peu de blé aux bourgeois d'ailleurs depuis le temps. Faudrait qu'on leur monte leur... Ah, j'aurais dû reprendre un amiral comme ça, tiens. On va monter un peu l'influence des bourgeois et on va leur taxer un peu de sous. Comme ça on rembourse nos emprunts, voilà. Ça sera déjà ça de fait. On pourra s'occuper tranquillement de piller ottoman après du coup. Ok, ici c'est assiégé. Venez là. Mossoul est tombé, parfait. Alors vous, vous allez vous éclater un peu. Si on veut du 100%, faut qu'on assiège. Alors du coup, vous pouvez peut-être recalculer vos trajets, vous. Voilà. Hop. Ah, on peut investir dans une technologie en avance, 90% pour une technologie admin. Bah bof. Franchement non. Par contre on peut investir dans des universités. On va foutre une université sur la capitale, voilà. Ah merde, ça commence à popper dans le dos. Chiotte. Oula! Oula là là là, ça c'est la violence. On les écrase, mais oui, quand même quoi. Ok, bon bah du coup, vous, vous allez vous regrouper. Et vous serez l'armée qui s'occupe des particularistes. Hein, parce que la vache, les particularistes ottomans ils déconnent pas quoi. Quand ils pop. Alors du coup on a trop de points admin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points admin? On a déjà de la stab, on a 3 de stab. Réduire l'inflation, on peut pas. Mouais.
Mouais. Renforcer le gouvernement, c'est du point militaire. Hein. Cela dit, ça pourrait être rentable de le faire. Deux d'absolutisme. Hop, voilà, on prend. Alors, je prends ça, mais... On gagne 3 d'innovation. 90% hein, quand même. Hein. 973 points. On peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos points de mine? C'est dingue ça. On peut rien faire avec nos points de mine. Bah non. Religion non, là non. Ah ici, est-ce qu'on peut pas claquer des points? Non hein. Apaiser c'est du prestige. Cela dit, on va le faire parce qu'on va gagner du prestige avec cette guerre, donc... Prendre une province par la force, non, on s'en tamponne totalement. Ah bah je sais pas, bah on va développer un truc. Qu'est-ce qu'on pourra développer qui est pas... 43, 37, 22, un truc voilà, 19 là, Mogadiscio, c'est très bien ça. Hop, on va booster un peu l'ivoire. Il y a des particularistes ottomans ici, mais les gens s'en occupent. Nickel. Ok, donc là on monte une grosse force de tatanage de particularistes. C'est parti. Alors eux, on va pas s'en occuper parce que quelqu'un va sûrement le faire. On va aller s'occuper de ceux-là plutôt. Ici, on va aller taper sur ces gens. Ici, on fait le siège. Il est en train d'emmener tout ce qu'il peut comme renfort par là. Il y a des particularistes qui popent même dans les zones qui sont pas prises, quoi. Le Timuride veut une paix. Voyez-vous ça? Écoute, tomber et puis des répas de guerre. Puis un petit transfert de puissance ou un détournement, tiens. Détournement du commerce, allez hop. Voilà. Le siège de Trébizon, c'est fait. Donc il a plus aucun fort maintenant. Hein. Il a plus aucun fort. On va commencer à aller se préparer à s'occuper d'eux. C'est quoi ça comme terrain? C'est des terres arides. Ouais. Donc il nous faudra un peu de renfort quand même. Hein. Ah d'accord, la Perse a été à 20 000 et elle les défonce. Bon bah très très bien. Pas de problème avec ça du coup. Notre colonie est autosuffisante. Fin des hostilités en République des Deux Nations, c'est parfait. Donc du coup on a notre petit mec qui est prêt. Alors vous m'avez dit effectivement qu'il y avait ici... Non, là, je sais plus où c'est. Qui faisait partie de l'Austrapienne. Comment on fait déjà pour voir ça? Les régions, j'ai pas les régions. Région. Religion, ordre, blablabla, nana, coalition, rivaux, joueurs. Région. Ah, l'Australie, c'est que tout ça. Ah, ça, c'est l'Océanie. Alors, je sais pas du coup si ça joue. En tant que région coloniale. Ou alors c'est les contrées, non. Province d'outre-mer, non plus. Bon, bon cela dit, c'est quand même des belles provinces, donc 13 ici, on va envoyer là. Ah effectivement, on peut expulser des gens, donc ça veut dire que c'est pas lié à cet endroit là. Alors, est-ce qu'on a des gens non acceptés? Oui, on a encore quelques Nubiens. On a quelques Nubiens. C'est parti. Alors, l'Ottoman, donc ici, on va s'occuper d'eux, très très bien. Ici, on va aller montrer à monsieur que c'est une mauvaise idée de s'occuper de nos alliés. Taper sur nos flottes alliées. En avant, chopez-les. Voilà, on va les écraser, ça c'est fait.
ici. Ah d'accord, on s'est fait choper par des particularistes. Fait chier, mais au moins on gagne. Donc bah du coup ici c'est géré, donc on va s'occuper des sièges. Putain mais... Ok, on va attendre que ça, s'éclaircisse un peu. Il y a un fort ici? Ah oui, il y a un fort ici. Autant pour moi. Toi là, toi du coup, on va plutôt là-bas parce que c'est pas pris ce truc. Et une bataille navale de fête. Hop là. Ici on se détourne, puisqu'ils ont décidé de se détourner. On va clairement avoir du rangement d'armée à faire après par contre. Hop hop, fin du siège de Kars, nickel. 98%. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre du coup? On prend tout ça, on grossit par ici pour le couper en 3 morceaux. On prend Constantinople. C'est quoi l'état de Constantinople d'ailleurs? Parce que j'ai pris ça un peu à l'arrache, mais... C'est tout ça, donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On prend Constantinople et des morceaux là pour sécuriser les détroits. On prend des repas de guerre, on prend du blé. Personne n'est mécontent. 92% de surexpansion. Aucun problème. Qui c'est qui gueule? Les Ottomans et Avars. Ouais, on s'en fout. Avars en plus, ça va disparaître instantanément. Et on gagne combien de sous sur cette valeur là? On en gagne 699. Parfait. Allez, c'est parti. C'est pas la peine de continuer. Hop là! On n'est même pas monté à 100 de démonstration de force. Hein. Juste à 96, mais c'est largement suffisant. Allez, on légitime. Hop, 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 hop. Voilà, quoi faire de nos points de mine. Comme ça, c'est fait. Alors par contre, il va falloir qu'on regroupe nos troupes, ça va être le bordel. Donc ici, on a une armée à 30k qu'on va envoyer direct à Constantinople. Ici, on a... Une armée à 30k aussi, qu'on va envoyer là-bas. Ici on a 2 x 15 000 qu'on va envoyer ici. Donc là on a nos deux mecs qui vont aller au Caire. Ici du coup on laisse se démerder, on va au Caire aussi. Et ça c'est probablement une armée à 30k aussi, ils vont aller dans le coin. Je pense qu'il y aura de la baston avec les Ottomans. Enfin des séparatistes ottomans. Nous avons dangereusement dépassé nos capacités de surexpansion. Bon bah de toute façon on va s'arrêter là parce que l'épisode est déjà super long. C'était clairement une guerre en un seul épisode, mais il y avait du potentiel de fun, donc comme ça c'est fait. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.